I'm back and happy, enfin kind of. Good morning guys, hello. Il est 6h30 du matin, enfin non, en fait le temps que je sors du lit, il est 7h actuellement. Ah, j'ai toujours le souffle court quand je me lève tôt le matin, c'est quoi se dire. We're gonna fix that. Si vous avez un problème dans la vie les gens, drink water. Water fixes everything. Ça c'était gâteau. Ah, je suis dégueulasse. Eh franchement, en plus je sais qu'il y a des gens que je connais de la vie de tous les jours qui regardent mes vlogs. Mais genre des adultes. Salut, je suis désolée. Eh, hey, je dois entertain ma communauté, ok? Ça va passer par des roues et des épées. I will do it girl, I'm gonna do it. Aujourd'hui j'ai fait mes morning affirmations, donc j'ai parlé à moi-même dans le miroir, which is kinda cringy, mais je vous jure ça fait du bien de ouf, tu te parles, tu te dis ok aujourd'hui ça va être une bonne journée, aujourd'hui tu vas bien bosser, aujourd'hui c'est ça, et j'en ai besoin, parce que je me sens super seule quand je suis chez moi, genre vraiment, en fait j'habite vraiment d'un trou paumé, et donc c'est compliqué parfois, d'avoir l'impression que si tu mourais, personne ne s'en rendrait compte. Mais du coup, j'ai essayé de me remotiver le moral, et je me suis dit bah tu sais quoi, vu que tu te sens seule, you're gonna take your followers with you, genre je vous prends avec. C'est mardi. Merde, j'ai plus de batterie, bah bravo hein. À peine réveillé que vous êtes déjà fatigué les gars, c'est quoi ça? C'est pas une nice life ça hein, on va pas aller loin avec vous. First things first, coffee. Ok, je suis actuellement en train de faire un gros pétage de plomb. On a fait un live tout à l'heure sur Twitch et tout, et à la fin, vraiment à la fin, il fallait pas me demander ça. On m'a demandé, est-ce que tu comptes prendre un animal de compagnie, tu vois? Ça fait depuis des mois et des mois et des mois et des mois que j'ai envie d'avoir un animal de compagnie. Ça fait depuis des mois que j'hésite entre avoir adopté un lapin ou un chien. La différence est assez énorme parce qu'en fait un chien, le proprio veut pas que je tienne donc voilà le problème était un peu déjà réglé, mais au pire je pouvais essayer de le convaincre tu vois. Mais un chien c'est beaucoup de responsabilités, je veux vraiment pas prendre un animal sans être sûr que je peux l'assumer du début à la fin de sa vie, genre vraiment et dans les meilleures conditions possibles. Et le lapin bah c'est juste que chez moi en hiver il fait froid et en été il fait chaud donc il faut faire attention. Et donc j'hésitais, j'étais là, en plus ça ronge les câbles et tout, ça ronge les meubles, mais bon ça les meubles de chez moi je m'en fous, c'est du Ikea, et les câbles bah tu mets des gaines quoi, mais en gros voilà ça fait très longtemps que j'hésite et là I'm going to see the lapin. I can't, je peux pas résister, ça fait depuis des mois que je les vois, que j'ai envie de les adopter, je peux pas. Juste, c'est physiquement, je ne peux pas. Donc en route, 30 minutes de route, et puis j'ai rendez-vous avec une dame qui a 3 lapins et qui, voilà. D'ailleurs, je suis une maman complètement gaga. Au cas où, je tiens à préciser que 3/4 des choses que j'ai achetées là maintenant dans la vidéo vont changer par la suite et je vais vous montrer le setup actuel à la fin. Et je vais aussi vous mettre tous les produits, donc gamelles, nourriture, etc. que j'ai acheté en barre de description. Hello Bunny ou Ricky, je sais pas trop, Ricky ça lui va bien mais c'est dur à dire, enfin tu ne sais pas encore, mais nous allons être de très grands amis mon chou. Tu auras un full espace même quand ce sera juste pour t'en poser. Alors la cage est in process et je vais mettre un truc derrière pour pas qu'il arrive à grailler les câbles et tout, bon ils sont assez loin alors, à la caméra on dirait pas. Et elle restera tout le temps ouverte, ça c'est une litière, ils font caca en même temps qu'ils mangent, du coup bah, l'astuce c'est que tu mets du foin là et les crottes dès qu'il y en a dans la cage tu les remets dedans et normalement il va devenir propre de lui-même. Baby. Il y a du foin qui est tombé pendant le process du coup il essaye. Il rentre dans la cage en mode on sait jamais. Monsieur est un grand roi hein, parce que monsieur va avoir son petit panier et un autre panier exprès pour chien, genre carrément grand, donc tu vas kiffer mon bébé. Look at this baby. Hello baby. Oh no he's so cute. Alors on va te trouver des petits pots. Oui. J'ai pas pensé à prendre des petits bols, fuck. Je me suis dit que les miens suffiraient mais il est carrément minuscule en fait. Installation du setup en cours. Bon mon cœur t'es mignon mais... Hop là. Coucou bébé. Ok, le setup temporaire est fait, ça c'est une gamelle d'eau parce que j'ai peur qu'il sache pas comment boire à ça, je sais pas. Un truc pour s'amuser, il y a un autre truc pour s'amuser là. Je sais pas si je vais l'appeler Ricky parce que c'est Ricky, c'est chiant à dire. Bunny ça passe très bien, c'est ça qui est un peu ridicule genre Bunny, Billy, ouais, on verra. En tout cas je veux un truc qui finit par I ou alors par Mocha par exemple. Mocha, mais Mocha c'est un peu, je sais pas j'ai envie d'un prénom en I. He's so cute. My baby. De courant tu peux sortir hein, j'espère. J'ai essayé de sécuriser un maximum mes câbles. Je pense qu'il pourra pas passer. Puis de toute façon je surveille hein, je veux pas le laisser tout seul totalement. Voilà comme ça il passe pas. Ça fait un moment que je réfléchis à en avoir un lapin ou et tout ça, mais j'ai vraiment été le chercher sur un coup de tête. Ce qui explique le nombre de préparation des câbles. Oh baby. Oh he's so cute. He's so cute. Je suis trop contente. Ça fait du bien, je suis plus toute seule ici genre. Je suis plus toute seule. J'ai un copain. Un Ricky. Non pas Ricky hein. Bon on va trouver hein. Tiki, Becky? Non mais non, c'est un truc de meuf ça. Puis qu'est-ce qu'on s'en fout des genres hein? On est en 2021, je peux t'appeler comme je veux. Je peux même t'appeler Suzy si je veux. Est-ce que ce serait drôle si je t'appelais Suzy? Non? Bon ok. J'avais pensé à Zuko comme dans Avatar mais je trouve ça, je sais pas, j'ai envie d'un prénom qui finit en I en fait. Ah et du coup il s'appelle Bali. Maintenant mon lapin j'ai choisi, je voulais un nom en I. Tu sais que tu peux sortir de ton panier mon amour. Je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte qu'il peut sortir de la cage? Oh my god, la première escapade. Direct il va dans le coin que j'ai essayé de protéger. Pain est une drama queen, il ne veut pas sortir de ce tapis. Genre le sol est trop froid pour lui, regardez, je recule, il veut venir et il ne veut pas. Parce que le sol est froid. Là, je rentre à la maison et là, je t'attendais. Ce serait vraiment bien si tu pouvais avoir l'air détendu et pas mort. Genre vraiment. You look fucking dead. T'arrêtes de l'embêter. Debout, Bali. Debout. Oui. Oh, regarde. C'est l'histoire d'amour entre mon mec et mon autre mec. Le poil. He's so cute. Pour la plante, une oreille et puis l'autre. Alors monsieur Bali, est-ce bien vous qui avez fait un crime de haine contre mon canapé l'autre jour? Ouais, je t'ai vu, hein, tes 40 crottes là que t'as fait sur mon canapé pendant la nuit. Petit malin, bah. Petit malin. Parfois avec les lapins le problème c'est que tu sais pas s'ils sont terrifiés et du coup c'est pour ça qu'ils bougent plus ou juste parce qu'ils tu les touches donc ils bougent plus. Regardez. Zup. Pas bouger. Ah, ça marche pas. Ma petite cacahuète d'amour. Mon petit bébé chaton. Ah, mon petit bébé. Oh, mon petit bébé. Des bisous. Ah oui, des bisous. Je suis trop gaga, ça va pas du tout. Hein. Ma voix de gaga, là. Nous sommes sur une upgrade du setup pour lapin. Mais comme monsieur capricieux, quand le sol est un peu froid, bah, je lui fais un chemin de tapis pour qu'il puisse vivre sa vie de lapin. Bonjour. Voici son petit tunnel pour lapin, son petit dodo pour lapin et sa petite cage pour lapin, enfin maison, slash je sais pas quoi. Oui, c'est un pourrigaté, exactement, vous avez tout compris. Le petit bébé est au vétérinaire, il n'a pas l'air de kiffer l'odeur de cet endroit. Mignon mon bébé. Vous excuserez ma tête, je suis sur le montage de la vidéo et j'ai mis de la crème sur mon visage donc forcément je brille de mille feux. Nous sommes actuellement 1 mois et 1 semaine plus tard et j'ai envie de me tuer quand je vois le montage, je suis là parce qu'en fait bah forcément au début je l'ai vraiment pris sur un coup de tête donc je n'avais pas tout ce qu'il fallait, genre la laitière qu'il y avait bah ça n'a pas duré longtemps, je savais très bien que... Eh pssst, qu'est-ce que tu fais là? J'ai mon espèce de dispositif anti-câble. Non. Sinon je tape du pied moi. Sinon je suis pas contente. Entre temps, mes câbles sont bien sûr gainés depuis très longtemps. J'ai mis cette robe là parce que sinon j'ai ma multiprise. Je sais qu'il n'y a pas moyen de l'atteindre et tout. Et là la lampe, j'ai mis carrément une chaussette plus un truc où t'entortilles ton câble pour être sûr qu'il ne mange pas. Bonjour bébé. Bonjour bébé, bisous. Ah oui bisous. Ce lapin est le plus câlin que j'ai jamais eu. Genre il aime trop faire des bisous, il aime trop avoir des doudous, c'est tout mon petit bébé d'amour. J'ai tout sécurisé, mes câbles en dessous il peut pas atteindre. Il n'arrive pas encore à sauter là-haut et faudra que je trouve une solution quand même. Au niveau des chaussures, je suis super contente parce que mon ancien lapin les mangeait. Mais lui, il a... Je sais pas s'il a essayé là, mais en tout cas, sinon il le fait pas. Pas du tout, genre j'ai jamais vu faire et tout. Et je ne retrouve pas de chaussures en miettes donc c'est déjà bien. J'ai laissé la cage de transport ici ouverte parce que l'autre jour on a été chez le vétérinaire pour le faire vacciner et j'ai pas envie qu'à chaque fois qu'il rentre dans la cage ça veut dire trajet en voiture et tout, traumatisme. Donc je lui laisse apprendre l'odeur. Au niveau de l'alimentation du coup il y a toujours le foin, la base, toujours de l'eau, il a 2 bols d'eau. Sur Amazon j'ai regardé les notes et tout ça, ce truc là est super bien, je l'ai retrouvé en animalerie aussi. J'ai des petites bananes sèches de temps en temps mais c'est très très rare que je lui en donne. Je lui donne des légumes verts genre du persil, de la menthe parce qu'ils peuvent manger ça tous les jours avec cette petite boîte d'œufs que j'ai désinfectée bien maintes fois avant de le faire utiliser et tout parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Mais du coup tous les jours je lui mets des légumes, là il les a mangés avec des petites graines et je le ferme comme ça et ça l'occupe en fait, genre il kiffe se battre avec. Il a son bol d'eau sous le canapé plus une litière accessoire où je mets un peu de foin et j'ai changé les copeaux pour mettre des copeaux comme ça parce que c'est beaucoup mieux, j'ai regardé les commentaires sous les trucs de litière et c'était bien. Et pareil du coup la cage maintenant est une cage ouverte, enfin c'est même pas une cage en fait c'est juste un endroit où il se mettra. Plus tard j'achèterai carrément carrément râtelier et il y aura plus du tout d'armature de cage parce que de toute façon il y va jamais sauf pour manger et faire pipi, donc voilà. Et donc pareil, la litière ici elle est comme ça. La respiration aussi, c'est mieux de pas avoir des copeaux parce qu'au début en fait voilà, j'ai vraiment acheté ce qu'il y avait dans le magasin, mais c'est pas bon les copeaux en général. Les lapins ont une respiration très fragile donc il faut beaucoup passer l'aspirateur. D'ailleurs au début quand je passais l'aspirateur il kiffait pas trop, mais j'essaie de l'habituer à l'entendre souvent et maintenant quand je passe l'aspirateur il vient voir ce que l'aspirateur c'est, tu vois, c'est trop mignon, genre on dirait un chien ce lapin. Il te suit partout, il est super curieux, je l'adore, j'aime trop, il fait tout le temps des bisous, il est trop mignon. Il est un peu moins foufou que ceux que j'avais avant, enfin du moins il est foufou mais que quand je suis pas là. Quand je le vois pas il court partout, c'est trop drôle, donc parfois je monte comme ça en haut et je le regarde et il fait ses drifts de toute la carpette là jusqu'à là-bas, puis il revient. Je lui ai acheté un petit tunnel pour chat chez Jiffy, il passe de temps en temps, il aime bien. J'ai acheté ça, normalement c'était avec cette langue-ci, mais en fait je l'ai mis dans le truc Ikea parce que 1, il me servait à rien et 2, ça lui fait un petit terrier et donc souvent il va s'installer là-dedans et il dort. Sa maison est en bois mais il n'y va jamais, clairement il préfère passer du temps derrière le canapé sur une boîte en plastique. Parfois on se demande pourquoi on achète des trucs quand une simple boîte en plastique les satisfont. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, concrètement il est super facile. Ce lapin est adorable, il a jamais tapé du pied. Il a 3 mois, il est né le 16 mai, donc là 3 mois et 10 jours. Vers ses 5 à 6 mois, je le castrerai pour éviter les comportements de style pipi, etc. Partout dans la maison et surtout parce que j'aimerais lui amener une compagne. Stériliser elle aussi parce que les lapines ont des chances de cancer de l'utérus énormes. Donc il faut toujours stériliser vos animaux, puis vous leur évitez des reproductions inutiles, des grossesses nerveuses, du stress, d'être agressif et tout à cause des hormones, bref. Qu'est-ce qu'il fait bébé? Il est trop mignon. Il grignote de temps en temps par-ci par-là, mais c'est vrai qu'il fait quasi jamais de dégâts. Enfin, honnêtement, mes tables vont bien, tout va bien. Il grignote ce qu'il a à grignoter, c'est-à-dire ça et ses petits jouets qui sont par-ci par-là. J'ai un lapin super facile, et là, comme il vient d'être vacciné, on doit attendre encore 2 semaines et je pourrais l'emmener dans le jardin. Je vais acheter un enclos et tout, enfin bref, ça va être trop cool. Je vous montrerai ça dans le vlog, vous inquiétez pas. On appellera ce vlog la première sortie de Bali. Donc voilà, en tout cas, je me suis renseignée au maximum sur le bien-être du lapin, la communication et comment faire pour bien l'alimentation, les litières, etc. Il est toujours en liberté, que ce soit la journée, la nuit, il est libre. Tous les lapins devraient être comme ça, tous les animaux même devraient être libre un minimum. Oh, il va dans la cage de lui-même. Oh oui, c'est ta cage du veto, mon cœur. T'aimes pas l'odeur, hein. Oh non. Le tunnel. Non, il préfère manger la cordelette du tunnel. C'est plus rigolo. Ah si. Oui. Bravo, mon cœur. Bali. Mon cœur. Oh oui, mon bébé. Oui, mon crotonnier.